Interclassique Bruxelles, c'est un salon à ne pas manquer. Des voitures de collection, des youngtimers et des nouveautés exclusives, tout est là et bien sûr plein de Volkswagen. Je suis Dr Héritage, spécialiste des voitures classiques chez Volkswagen Belgique. Et aujourd'hui, je vous emmène avec plaisir pour une visite guidée de la 9e édition d'Interclassique Bruxelles. On commence bien sûr par le stand Volkswagen, où notre Golf qui fête son anniversaire est à l'honneur. Cette année, on fête ses 50 ans depuis son premier lancement en tant que Golf 1. Ici sur le stand, on la voit dans le coin rouge de 1974 et dans le coin bleu de 1975. À côté de nos anciennes, on trouve la toute nouvelle Golf en édition spéciale 50 Years avec des badges uniques pour célébrer le demi-siècle de ce modèle à succès. Avec plus de 37 millions d'exemplaires vendus, notre star mérite bien son titre d'honneur. Mais bien sûr, ici à Interclassics, il y a aussi d'autres modèles légendaires de l'histoire de Volkswagen. Une Golf 1 Cabrio? Nickel! Ça, je connais bien sûr, c'est un bus Westfalia Camping de 1977. Super bien restauré. Une coccinelle ovale de 57 Old Speed, c'est assez rare. Ici, on a une Golf 2 GTI de 1989 avec même pas 17 000 km. Vraiment fou. Même dans cet état, j'aime bien. Ça, c'est une coccinelle belge Dieteren de 65 dans la couleur Sea Blue. Très belle. Et voilà, nous sommes de retour dans le Palais 5 où aussi les autres marques de la famille Dieteren sont présentées. Audi est là avec la nouvelle A6 e-tron, Skoda avec la nouvelle Octavia et Seat avec l'Ibiza. De l'autre côté du stand Dieteren, on trouve les marques de luxe du groupe Volkswagen avec Bentley, Bugatti, Porsche et Lamborghini. Interclassique Bruxelles, c'est toujours une fête, surtout quand on célèbre l'un des anniversaires les plus importants de l'histoire d'automobile. Alors, cher Golf, à ta santé et que de nombreuses générations suivent. Volkswagen.